MD Infographe, Léon Coiffure, l'idylliste de Nati, Bourba Design, Ngaï Fleuriste, La Créole, en partenariat avec la Teranga TV, vous offre spécial Saint-Valentin. Bonjour téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous vous trouvez. Bienvenue sur la Teranga TV, spécial Saint-Valentin Lagnoir. En nous texte, nous sponsor, nous sommes la Créole, le Wong Coiffure de Nugungé, MD Infographe de Nugungé, les délices de Nati de Nugungé. Oui, Coco dit Borom la Créole aussi, Jérambi, Muniti Gungé aussi. Aksama Wai du Niaoul, Bio du Nion, d'affaire Malobar, Lini, mon amour virtuel. De la Mobokébi. Spécial Saint-Valentin. Bienvenue à la Teranga TV. Bonsoir. Ou le bonjour. Ah, ça dépend qui nous a dit. Salam alaikum, Mboko Sénégal. Salam alaikum, Diaspora. Il y a une émission spéciale Saint-Valentin. Andesi Aki, c'est un animateur de préférence qui dit DJ Pierre Zé. Et aussi Andesi Kingam, l'homme de la situation aussi, Koko dit Borom R10. Wow, l'homme qu'on ne présente plus qui dit Raoul. Et voilà, Didier Adjefol aussi, invité à nous fêter à cette émission. Je sais que nous avons fait un peu de temps pour nous présenter cette émission. Salam alaikum, mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir à ma chère présentatrice et l'élégant présentateur. Merci. Merci beaucoup. Et je suis vraiment content de l'invitation. Moi, je me présente. Je m'appelle Papa Makoumou Mboch, plus connu sous le nom de Papy Prince. Bon, je suis acteur cinéma modèle, en même temps aussi je suis créateur qui englobe tout, je peux dire tout. Voilà, et je suis vraiment content de l'invitation, comme on le dit, spécial Saint-Valentin, 100% Mbeguel, comme on dit. Voilà. Bonjour à tout le monde, je m'envoie ravi de me retrouver parmi vous, spécial Saint-Valentin comme on dit, mais comme chaque jour c'est Saint-Valentin, hein? C'est un jour d'amour, donc je m'envoie ravi de me retrouver parmi vous. Et je fais un coucou à tout le monde, à toute la team Teranga TV, c'est ça? Voilà, Mbeguela, comme on dit. Salam alaikum Teranga TV. Bon, moi c'est Raoul, connu sous le nom de R10. Bon, content de trop petit invitation, oui. Comme nous avons la maman Wahérek, c'est spécial Saint-Valentin. Comme chaque jour est Saint-Valentin, quoi. Ok, merci beaucoup. Salut à tout le monde, moi c'est Yacine Sané, je suis slameuse entre guillemets et je suis vraiment contente de l'invitation faite par la Teranga TV en cette soirée glamour dite Saint-Valentin. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Nous allons sur le plateau de Nanan, un super Nanan international là, fait que nous avons maintenant car mashallah, nous allons développer l'amour. Nous allons parler de l'amour. Nous allons vivre l'amour sur ce plateau en compagnie de mes charmants et élégants invités. Yenyup magnendi dia je fais le sente way. Mais bala nous sorry, la malin de baye akia. Nous devons nous ben affaire vous troc, yen baye chel. Je suis là sans être là. Là-bas, où je suis, j'y serai plus que là où je suis actuellement, physiquement. Pas qu'on vive ensemble. Je veux qu'on meure ensemble. Parce que l'amour approche. Et que c'est elle qui tranche. La somme de ce que l'on ressent. Beauté en sentiment. Aveuglant et ignorant. Je te l'ai dit de ce que je ressens. L'amour en cette soirée glamour. Je témoigne. Tu prends tellement soin de moi. Quand je te vois,
Je pense au gars parfait. Celui qui m'a rendu plus meilleure. Et tellement plus heureuse. Tu hantes mes pensées les plus merveilleuses. Peureuse? Je ne le suis plus. Amoureuse? Je deviens plus. Je l'ai dit. Je le redis. Et je le vis. Je te veux pour la vie. L'amour pour l'avenir. Merci beaucoup. Ah. Belle parole. Et touchante. J'en ai le cœur à tomber. Ah. Je te jure. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais bala bobu tamit amna ben danan bo xamantene il était de passage te fa ñu waxtaan ak mom bala ñu dugg ci biir waxtaan bi lenn cote la pierre l'amour virtuel avantages et inconvénients mu xew bay bëgga dé dañ ci wax légui mais bala bobu dama lay bayyi nga dalal Erdis waaw comme ñing ko waxé rek koku ay danan bi nga xamni ko kenn dootu ko présenter fi ci Sénégal lay wax fi ci Dakar bien sûr xalé bu ndaw la gëm lu muy def xam lu muy def té mën lu muy def kokoy Erdis légui duñu def dara lu dul jokkom micro bi mu wax ñu dul yé venu l'idée de Erdis et que signifie aussi Erdis salam alaykoum encore bon comme niko Pierre waxé Erdis mi ngi mu nar ni que c'était en 2013 que sama frère sama jumeau Van François le mot tout du genre moi carrément les Erdis là tout parce que moi je suis basketteur et que numéro de mes sol c'est le numéro 10 et que mon nom aussi c'est Raoul les mots inspiré où c'est Erdis Raoul avec 10 c'est le mot du retour depuis c'était depuis 2013 belégi d'une chine top on a mis une acte nañ ko floqué nañ ko def li nañ ko def lé du genre man mom dama nékkon ci basket bi carrément parce que j'avais pas l'esprit à ça légui tok nañ ñu tok xalat né mën na nek projet mën nañ ci liggéey mo woko ñu waxtaan mo nako légui ñu ci dugg ba ni yalla def ci sutura defal ñu sutura may ñu jaamu ñu dugg ci waaw ba tay mi ngi dox petit à petit rek non basé wul ci flocage kessé mi ngi visé gëna sori manam flocage kessé bëgg nañ mu nek international yeen ñëpp diko sol comme yenen marque yek lepp sentu nañ dal lu sori ci mom Erdis hormis flocage bi bëgg nañ ci di genre comme marque bi comme défar ci ay calpé di genre dina am ay robe di genre sac à dos sacoche peut-être ay dal bëgg nañ ci lépp dal hormis flocage t-shirt yi kessa en tout cas Erdis mang lay ñaanal ya xam li nga bëgg sa biir xol yalla nako yalla motalé je suis tellement content tellement fier de toi bro en fait je me dis que y a pas de saut métier y a juste comme nim koy waxé ça su nek que de saut yam gëna xam ñu baña egg ci détail yoy mais en tout cas yalla na la yalla mussel ci pexem non ak ñi wax ñoo farta damewul nonu jappal mu deugera legui tamit le programme continue spécial Saint Valentin lañu wax amna ben slammer bo xamantene ni mu ngi exi mom tamit alors Tidiane n'a pas voulu venir sur le plateau je me charge tout simplement de vous faire écouter ou de lire le poème qu'il a eu à écrire à sa jarabi et wa ndissane kon mbeugel mu ngi am ba legui j'aurais bien aimé faire la rhétorique des sophistes ou te contempler comme Victor Hugo, d'être Butler, Chateaubriand, de plus que Molière. Mais je suis que je ne pourrais pas être ni l'un, deux, jamais. Tout ce que j'ai à te dire s'inspire au profond de moi. Lu,
et écoute avec attention. Djarabi. Demain, un autre rendez-vous, Sargal. Au point Sargal de la Teranga, de ma seconde existence, de mon identité, pour ne pas dire deuxième, que j'honore tout simplement et particulièrement Ndiarabé. Fleur de Médinette à la rose du soir, surpassée aux tierces de la lune, décroissante qui te sera croissante à la lingère. Oh, oh, ma Ndiarabé. L'histoire des sentiments purs d'affection remonte dans l'au-delà et les souvenirs me suivent, gravés à l'époque d'âme, jusqu'au temps des eaux, où la raison ignore la raison du cœur. Wallahi, wallahi, mon plus que tout et de tous, qui me fait ressentir un tout dans un corps de tout entier. Djarabi, aïe, ma Djarabi, notre Djarabi, la Djarabi de mes enfants. J'imaginais pas un jour, pour toujours, qu'un jour viendra à la rencontre d'une femme, parmi celles des Talata Inder, qui ne sont ni exceptionnelles, mais exemplaires, pas attirantes, plutôt attentionnées, ni charme de façon sage, galante à la galanterie de la Teranga. Ah oui, je dirais au présent que le destin nous a rassemblés, pour ne pas dire croisés, aux horizons du passé, pour en faire l'union, d'en unir au futur, plus que parfait. Ayo, ma Queen Djarabi, je t'offrirai ni le buzz de Queen Bees, ni la capella de Ousan Keïta. Néanmoins, la voix de Mahupoba, de plus que le live de Mamgor Djazaka. Jamais, au plus grand jamais, mais plutôt le show de Madigendour au paisible Bercy de Paris. À mon parfum, ta moitié. Oh, oh, quel goût excellent. Wallahi, Ndiarabi, mon amour, ne peut se décrire ni se raisonner, autant que ma plume sera ta légitime défense. Ma plume sera ta voix de représentation. Mes productions seraient tes seules et uniques armes d'arsenal, plus attachées au fil de tes veines pour y demeurer au battement du cœur. Ah oui, bébé, Dina latéral. Je te promets ni les terres ni les cieux, ainsi que les étoiles. Mais je peux te promettre mon cœur, mon amour, mon tout. Puisque tu es mon tout, Ndiarabi, je t'aime. I love you, ma Ndiarabi. Cher Tidjane, Sané. Cher Tidjane, je suis dans le public, je ne peux pas interviewer. Oui, cher Tidjane, tu as mis. Ce que tu as pour moi, là. Va bien. Mais qui est mon cher téléspectateur? Il est là, il n'a pas voulu lire sans problème, mais il veut décrire à sa Djarabi qu'il est là. Bienvenue, cher Tidjane. Merci. Poème, je suis inspiré sur la langue africaine, en fait. Parce que notre Djarabi, c'est un mais bien aimé. Ça a bien aimé en maneng. Donc, la plupart des poèmes, nous me disent. Nous avons notre propre langue en fait. C'est pour cela que comme Saint-Valentin, là, je vais utiliser une langue locale, une des langues locales, je vais utiliser un poème. Dans ce cas, moi, je m'ai inspiré, mobile. Donc, ce que je vais utiliser un poète, je vais inspiré dans notre langue en fait. Madame, il faut développer la langue locale d'abord. Parce que à chaque fois que nous utilisons, la langue de Molière, c'est beau, c'est vrai, c'est beau, mais aussi il faut essayer de notre propre langue en fait. Moi, je suis venu tout simplement na Djarabi en fait. Merci. Nous allons laisser maintenant nos deux invités apprécier linga xamanteni mom moy Islam Fidiar ak Ndiarabi. Man Ndiarabi xam poème la xaw wala la.
communication nga yëngatu surtout am nga dégg am nga notion surtout tamit nga dal ñu wax un peu rek noko son tiré après ñu dal di dem ci invité bu mag bi nga xamantene ni ken dotu ko présenter moy Jeanne Ardoja mom tamit mu wax ñu quel est le poème wala quel est la douceur bi nga xamantene ni moko gëna frappé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais juste faire ben point de vue juste sur poème bi li ma gëna frappé ci poème bi nak moy sama jaara bi. C'est rare nga dégg gor gui woyé ki am sama jaara bi. Lool nek na luma neex torop sama dina ko satch. Voilà. Mais bon, tu as bien dit hein, parce que dans le genre boy poème pour ne pas trop se baser sur la langue morière, il faut des fois tamit nga indi ben touche bo xamanteni c'est une autre langue comme la langue locale bi nga wax, parce que c'est pas à chaque fois, c'est pas obligatoire que poème da nga wara tougal français tout moment. Il faut des fois nga dougal olof, il faut des fois nga dougal comme ni nga waxe serer affaire nak wax ki pour mëna comprendre exactement koy waxal lan la, parce que am no xamanteni da ngay am jarabi degul olof degul français nga wax français donc dokoy xawa wana wa ki lan lan bëgg waxal ni du comprendre donc au fait bu déggé langue bi nak dina ki nak amna luma bëgg waxal fi. Voilà aussi tamit bon par rapport ak bo par amna ben passage bu ma dégg nga né comme le buzz de Queen Bees mom déjà amatul buzz kon fofu da nga wa amu la usain kayta manam ñi nga lim ñep manam bu goko tekkali ak ñom parce que ñom voilà nekkon nañ ci ben ki bo xamne nekkutu ñu fa fofu mom je suis d'accord avec toi et super. Voilà super amna jaray mom tay mom bu démé bla yégué di nga fa fekk ay ginar ak yoy mom. Voilà aw comme on dit hein tout à l'heure tu as mis ta touche spéciale parce que à toute chose mais il du tien quoi comme on dit quelque chose d'assez spécial parce que à l'entendre parler da ngay xamné que c'est hors des poèmes qu'on entend tous les jours. Il a mis un peu de spécialité dans son poème et je t'encourage aussi parce que vraiment c'est très beau. Mbeugel nak mom mbeugel rek lay don que ñu waxé ko ci olof que ñu wax ko ci anglais et tout même tubab bi soko dan je t'aime comprendre mais je t'aime mom ñep dañ koy xam donc le sens du poème c'est l'amour et que le récepteur le ressente comme l'envoyeur et puis c'est tout. Félicitations et bon courage à toi. Ouais, bon, je voulais que gagne mon man. Vraiment, je lance ma voix à Yacine. J'ai vraiment aimé son poème. C'était très soft et très glamour. J'ai vraiment aimé. Non, parce que tu dis à Niaoum, il faut que nous cavions pour me dire que ce. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir interpréter ton poème. Vu que si c'est Yacine, il ne gagne pas pour ni gagne ni gagne ni gagne ni gagne. Donc j'ai bien adoré ton poème, faut que yone mo ko. Je sais que ton Valentin sera très 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 content et que fête bi dina neex. Toutes mes encouragements à toi aussi Diane. Je pense que là tu vas mettre mes études puisque tu n'as pas de Valentin. Et là tu vas le mettre en pensant à ton Valentin parce que tu sais que tu en auras bientôt. Et nous rappelons toujours que nous sommes en partenariat avec Courba Design. Qui m'a donné l'autre sponsor qui dit MD Infograph. Comme on est aussi en partenariat avec Bourba Design, Montagne Modefli, qui est sponsor. Donc, nous devons encourager qui nous a dit que nous sommes perdants, mais comme il a fait l'effort de participer, nous avons fait un poème. Nous avons écrit pour Montagne Modefli comme l'eau. Voilà. Bon soleil, bon sentier, bon demain. Jarabi dina content. Ok, ko jarabi no content baba. Ok. Mangi féliciter sama domi bay sané vraiment. Point bi tam nexna aussi. Trop manké encourager tamit. Si lancer bu mu nek aussi nga gëna avancer aussi comme ñep aussi. Aussi merci way. Saint-Valentin. Amour. Saint-Valentin. Passion. Nana la saison est que ni les demain. Ni bagay ni nga xamantene ni ce sont des lovers. Mention spéciale à vous. Il s'appelle tout simplement Ezo de l'autre côté. Mention spéciale à lui, à toute sa team.
Koko ki nga xamantane ni Mr Rube number 1 la. Mais ñu ngi fi tay ci bir la créole di fatali ne ma ngi ak sama ndanan sama super ndanan international dalal ki nga xamantane ni ño bokk métier bi muy Yankees. Yankees ci lone ya ngi cool, j'espère ñu ngi ñew ci yow. Mais dañ koy def dal di jall ci thème bi directement moy li nga xamantane ni amour virtuel. Avantage, inconvénient. Manam mbeugelu Facebook, mbeugelu WhatsApp wala mbeugelu TikTok mom la ñuy ñew ni dal di dévaler. Est-ce que mbeugel réellement sax amna ba paré? Ah duma def dara du rejoindre ci li nga wax. Bon su waré wax ci affaire amour virtuel peut-être mo xaw sey djum touti parce que mën na wax ni que ça existe bel et bien, ça existe parce que dund na ko gis na tam ñuko dund ñi nga xam ni que sama oncle aussi dund nako té amna si jabar ba voilà actuellement il vit en Espagne et il a ses enfants aussi donc voilà dama le moi dara rek dudu voilà ça existe bel et bien et aussi di baye micro bi tan ñi nga xam ni que wa ñi ngi fi té je peux même dire que wa jot nañu dund expérience bi peut-être voilà na la yaangi fi nga xamantene ni spécial Saint Valentin avec la Taronga TV mam mom kanobuma ba taxna dama koy joy en direct comme na aw koy joy en direct tam sarax nak ma nobuma bay la ñuma tek dil dal fi tamit ken nobuma. Mais bon, passons aux choses sérieuses. L'amour et passion, l'amour et beauté, l'amour accepte tout, l'amour accepte aussi le pardon. Mais bu leen jël mbeugël bo le kok tiaxan andul ndax do ñew ni nit ki je t'aime ba mu jox la xolam nga bu ko jël diko diri ci tali bi diko ndassaxal diko tek misère sama expert li yeen lay waxal. Vous pouvez aussi réagir en direct duñ def luddul bay micro bi ak ñi nga xamantene ni ñom ñoy suñu invité spécial, n'est-ce pas? Ouais. Donc spécial Saint Valentin lañu wax. Assalamu alaykum, ma ngi leen di nuyu yeen ñep di leen jox seen waccio yeen tok ci plateau bi fi Clémence di leen remercier Pierre Zé sama mbokk DJ bi ma ngi lay bégué. Et je me présente, bon, on me surnomme DJ Yankees parce que je suis DJ. Je suis content de vous partager avec vous ce que vous savez, Saint-Valentin, nous allons parler de l'amour virtuel. Bon, du coup, l'amour virtuel, il y a un amour. Il y a par exemple, j'ai eu à vivre ça. Et ça a été agréable. Peut-être que ce qui m'a donné, il y a le mot de l'ouane, je me suis donné à mon surnom. Mais lu am la lu neex la ça dépend ñi né nañ mëna nek ñi né mënul nek parce que tout dafa tam di wax né loin des yeux près du cœur. De nos jours technologie est tellement développée même quand on est loin on est si près. Si l'amour est vrai, si on est loin nous sommes prêts. Donc ne vous focalisez pas ci distance parce que légui distance amatul da ngay bëgg ki nga bëgg ngeen di bëggante chaque jour yeen nga dégënte yeen nga gisante. C'est juste que ni comment dirais-je peut-être contact moi ci doul am amour virtuel moi je n'y vois pas d'avantage. Je n'y vois pas d'avantage parce que souma né amour virtuel peut-être dama la nan tu planes dans le tu sais que ça veut dire que avantage tu je n'y vois pas. Inconvénient tu planes dans le doute. Tu planes dans le doute ndax mbeugël dafa nek lo xamanteni ce n'est pas palpable. De loy lamb diko dacc de loy set diko gis c'est un sentiment qui va vers l'autre personne. Donc so né mbeugël que ça soit virtuel que ça soit que ngeen nek ni amul différence parce que c'est des sentiments qui voyagent. C'est des sentiments qui voyagent que l'autre partie soit en Espagne et que tu sois à Dakar un sentiment du voyage là dou loy toucher do loy lal jusque mbeugel lañuy wax amour et amour dafa beuy facette parce que Dieu même est amour. Dieu même est amour. Yaay day beug domam amour la frère day beug sœuram amour la mag beug rakam amour la juste que day fekk ni mu nek sentiment bu spécial bu jugge ci yow té mu deug en plus parce que sokoy foyé rek dalay gagne le virtuel tu mets ton amour tu mets ton temps tu vois. L'amour ici aussi, tu mets ton temps, tu mets tes sentiments. Donc,
je veux ouvrir l'essence du monde et que ce soit un amour limpide et clair et un amour vrai. Comme on dit, effectivement que l'amour existe. L'amour existe, mais sous beaucoup de formes. Sous beaucoup de formes. Ak ñi nga xamantani ñoo ko gëm amna ñoo xamne xamu ñu mbëggeel amna ñoo xamne gañu nañ bu yagg amna ñoo xamne mënu tuñu bëgg amna ñoo xamne pour nga gagné wat sen confiance day metti mais lepp ci mbëggeel la su dajé ak partenaire bo xamne il le vit au vrai sens du mot man na yéwaat li doon nalaw ci mom mëna raviver wat mbëggeelam waaw man nonu la ko gissé donc je suis contre que amour virtuel amul voilà amour virtuel mon autre réalisé parce que beaucoup de couples se sont formés via Facebook, via Instagram, via Snapchat, via WhatsApp, via Facebook. Donc gem la rek nga gem ko. Peut-être que nak dina nek amour bo xamné je suis sur un nuage parce que da ngay xalat tout le temps ce qu'on s'est dit est-ce que dina am est-ce que dina ko def nu muy démé donc tu es toujours sur un nuage. Mais na nek mbeugel rek bon c'est ce qui est le plus important. Bon voilà, amour virtuel comme ni ngène ko waxé amour virtuel inconvénients et avantages. Bon selon moi, bon je l'ai vécu du ben yon du ñaar yon. J'en ai vu des avantages et j'en ai vu des inconvénients. Avantage pourquoi? Bon, j'ai eu à rencontrer des personnes sur Facebook par exemple, on discute, waxtan. Après bon, vous échangez des numéros. Mais pour nga xam exactement ndax ki li ngay wo ci mom amna il va falloir que ngeen gissenté bo len gissenté il faut ngeen def connaissance pour xam il arrive des fois que nga giss nit sur Facebook mu envoyer la ay photos mais tu te dis est-ce que réellement c'est elle et pour ça il va falloir nga giss ko donc amna avantage parce que giss na ci ño xamanté ils se sont mariés grâce à Facebook mais pas Facebook en tant que tel ils se sont mariés parce que daño bok ci benn groupe xamanté fa familiariser wu. À chaque fois nous faire des rencontres, ils sont finis à familiariser, xamanté beugante ba ki ba nek jëk rek jabar. Donc tu ne peux pas gis ni rek en chaque rek né ko nop na ko parce qu'il y a une très grande différence entre beug ak nop. Il y a une différence que le beug ak le nop c'est diamétralement opposé. Que le nop il y a de l'intérêt derrière parce que que le nop tay mënul def dara ci gratuit boko beugé test rek né ko kay sétima. Boko ne bu la ne kay sama ben yone bu ñewul nga dess deuxième fois da ngay xor réaction day mer c'est parce que kon bëgg na à chaque fois nga ñew sétiko parce que y a de l'intérêt qui est derrière mais qui le bëgg c'est celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour toi c'est celui qui a un objectif envers toi avant ngay nek ak mom c'est quelqu'un qui est responsable o xamné bu nekké ak yow tu n'auras pas de regrets voilà les inconvénients nak bon limu ko mëna waxé moy par exemple tay damay nek fi bëggante ko xamné nekul sax Sénégal xam yow mu lér na yeñ ñañ do leen mësa gisanté mais après elle te dit bon j'aimerais venir au Sénégal mais je veux que tu m'envoies de l'argent pour me jënd billet ñëw suma ñëw ya ma héberger donc c'est de l'inconvénient parce que ko xam la ma ay intention am des fois nga gis nit sur l'internet tu vois des femmes yo des filles yo xamantene ñom ce sont des mauvaises intentions ñom ñu la yaqé lañu wër ñom à chaque fois li lañuy wër xaliss tank joxoleen xaliss duñ nek ak yow donc ñooñu ça veut dire que ko ñooñu mëno nek ak ñoom wala nga goor gis goor go xamantene mom kumu yaq lay wut parce que gis nañ ko sur réseaux sociaux yi goor go xamantene jigen bu mu yaq lay wër soit mu dina teud ak yow wala mu am leneen lum la propose lo xamni boko defut mu wili pandé la lolou yag na fi donc en vrai sens du mot je peux dire que il y a 40% avantage et 60% inconvénient. Donc man fofu lima ci mëna wax lén la moy que nit ki boko nobul tam lér na amna ci lo nek sois fidèle parce que déjà tu n'es pas respecté parce que déjà respecté ki nga nekkal amna ko nekkal donc je peux dire que bon fidélité mom c'est rare ci ñun goor c'est rare parce que tay goor bi fi ñëw nél dama fidèle xolaat ko voilà xolaat ko quoi voilà waaw mais damay ñëw par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que l'homme est né infidèle. Dañuy gis jigen muy dem mel nu mu wara mel yor autom nek ci lu mu wara nek ñu xol ko doxat ko top ko insister ta comme je le souligne tous les jours limay wax fi jigen bu fi bax goor mo la défar que ça soit au début ou à la fin fi ku fi bax goor mo la défar xeyna kay day défar dem bam ci yag bi nga indil ko ci comme roccé ko dem nga démal sa bop
mais fi jigen bu fi bax bëgg dox goor di la bëgg ya la main de l'homme dedans donc do fekk jigen bo xamantani dafa mel numu wara mel nga ñew duggal sa demande mu ne la xaar nga yaakar ni ken nekk fa bu la ne won ken neew fa sa wara ko gëm parce que fi jigen ni goor ñi leen di défar nañ waxante deug rek goor ñi ñoo leen di défar entre nak amour nen ni dama la bëgg jigen du goor moy bëgg jigen du bëgg day min mbeugel jigen du bëgg goor moy bëgg goor day bëgg ba moy dé jigen jëkëram day dé légui même pas 3 mois mo entamer relation ki nga xamné mo koy côtoyer tous les jours di nek ak mom tous les jours su yagge mo am affection té affection moy jitu mbeugel affection day am yermandé am mbeugel dooru ñew parce que tay sumay tam di nek ak Didier tous les jours Arnaud, tu es où, tu as mangé, lek nga fo nek fo ni su yagge day am lu mu yelu do nelaw ci yow lolou non day dem ba day nek mbeugel bakoy woy mbeugel ta fek minel la mais gor day beug gor su ne beug na rek beug na te su beugé dina ko jaral lu ne fi bu ken nak ken gor dina top jigen lerr na la ne ki beugula dafa ñew parce que amna intention amna lu mu beug ci yow mais ñewul pour beug la gor bu beug rek yow mëna xam jusqu'à nak dañuy nek ak yow pour am une certaine am bëgg bu len ënd ci yow mo len di ënd ci yow yow nga xamni ki bëgg bobu moko ënd ci man nga accepter bëgg bobu parce que yow amna loy xaar ci mom muy pocham mais comme on dit bëd bu bëgge du gis tat bu wëng moy gor su la bëgge jox na la lepp yow nga ne mang koy mbara parce que mom beut bu lay xolé gisul tat bu weng day japp ni yow dang ko bëgg or que yow yaang koy maran motax man la goor moy bëgg jigen du bëgg les garçons les hommes souffrent jigen ni ni ñi souffrir rek goor yaangi souffrir le plus les femmes ont besoin d'attention ont besoin de qu'on leur cajole qu'on soit près d'elles tay di bé alors lek nga ndek nga qu'est-ce que tu as ta voix a changé tay sentiruma la lan mo xew lu lay metti tu n'es pas dans ton assiette genre attention bobu ak affection bobu jigen ni mom la nu bëgg donc gor gu koy nek ak ñom da nga len di mom ñu dem ba nek ki lan la topé diw munu ko baye parce que ce gars lui donne tellement d'attention et d'amour bo xamantani tay yow benen gor bi koy may 1 million munu ko falé parce que day jël 1 million bi dem yobbu ko ci nga xamantani yorul dara parce que et attention bi ak mbeugel bu sincère bi fay nek donte lerr nako fi dara new fi mais xamna ne mbeugel bu deugumi fa ak attention celui qui ne t'aime pas n'est pas attentionné il sait pas si tu vis ou si tu es mort si tu manges ou pas xamuko il s'en fout pas mal jusque xelam buy dem ci yow moy moment bu mu la soxla mais ki la beug xarul amul lumuy lu bu day beug sa lepp ke nga am ke nga ñak ke nga ñak yor il s'en fout pas mal parce que beug na la donc liñuy wax ku nek na ngay beug ta yalla tax jigen ni goor ni nañ len yeureum minal len sen bop ndax ku min rek no comme on dit su boba la ki gëna sonu jigen lay doon gis nga xaj bi ngay yor sa kër mu dina gis tout temps di nek ak yow dès qu'il te voit il remue la queue su la gisul fo nek dalay sentir day dem parce que minel la on couche pas avec les gens. Excusez-moi. Mais dañ lan di jox attention bo xamné fo nek da la fay fek. C'est l'attention. Tay di man je peux avoir DJ am ki. DJ. Il me donne tellement d'attention bo xamantani même su yorulé ci pocham, j'ai envie d'être avec lui. Tandis que DJ, il me donne tout l'or du monde. Mais munuma yag ak mom. Li ci pocham rek la soxla suma ko jëlé damay daw dem yobbu ko ci DJ donc affection la ak attention tout comme je dis affection ak attention parce que ni day dëkk ci baraque ni dëkk ci étage mais ki nekk ci baraque bi elle est plus heureuse que celle qui est à l'étage parce que xol yi la sensation la yeug la waaw yeug la bon de toute façon man limay gis ci inconvénient en relation virtuelle inconvénient pour moi, l'undaula, moi manam le manque.
parce que nek ak nit ki ngeen bëggante en ñaar ngeen tokay at do leen gisante parce que amu virtuel bu déné ba installé wu nga def ak nit ki ay 1 an 2 ans c'est parce que ni yaa de l'amour bu fa amul nek amul won ken doon lu won tok di xaar temps bo par ak wax ak man sama genre gene duñ tok di xaar ben 2 ans 3 ans pour mu lèr lén li c'est perte temps la duñu mujjé ki donc suma déné bay tok di xaar ben 2 ans ou 3 ans moy ken nit ki bëgg nako ko nous dise la vérité lol la bu fekente né nak mbeugël gogou non amu fa moy indi ay doute est-ce que ki nekul fé di ma tromper est-ce que nekul di def lu ko neex est-ce que nekul parce que mbeugël nek fu mais bu fu mbeugël deug neké doute yoy du ci am ben problème moy am inconvénient moy manque bi pour man lol rek moy inconvénient moi c'est Jeannette Sarr je dirais que je suis une jeune fille comme tous les autres. J'ai une petite entreprise qui s'appelle Les Délices de Nati. Cause pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour sponsoriser votre émission. Et je vois que vous avez déjà commencé avec moi. Et je pense que ça va bien se passer. Ok, pourquoi Les Délices de Nati? En fait, Nati, c'est ma grande sœur, mon tout Nathalie. Et puisque Daf Moya, que j'ai appelé de me booster, de me faire mon football, d'autant plus de me faire l'instauration, et de me faire une famille qui est de me faire Mashallah. Donc, je suis allé à l'école de la restauration. Je choisis la pâtisserie, je suis allé à l'école. Ça m'a eu entourage de m'appeler, ça m'a eu de m'appeler. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, je me suis allé à l'école de la restauration. Tout le monde déjà à mon idole. Je me suis allé à l'école de la restauration. Je me suis allé à l'école de la restauration. Moi, tax lolou mo andi dal les délices de Nati. Les délices de Nati mi ngi nek Rufisque Ouest, cité Mex, villa numéro 112. Ok, ku bëgg dara ci les délices de Nati, da ngay woté ci 77 444 76 99 wala ci 636 58 29. Délices de Nati est attribué à toutes les bourses. Nit ki lu mu bëgg ci poche am bu ñëwé mom inshallah par la grâce de Dieu dañ ko defal li mu bëgg. Non, dans le cas de la COVID, c'est vrai que desna. Nous avons vu les clients avant, nous avons vu les clients. Mais avec Internet, avec Tamit, selon ce que nous avons vu, nous avons vu les gens qui ont vu les gens. Nous avons vu la COVID, mais nous avons vu les quand même. Bon, à part que je vous remercie, content de l'émission, content de fini ak yeen. Ño fardal di wax na gaay nañu suivre chaîne bu gëna bax dina amé doolé ci dina ci gëna contane. Merci à vous. Amour à distance moy amour virtuel ku ci nek bu féké dang ci nek ni ki nga nekkal na dëggu ci yow bu dëggo rek mbëggal gi dox ça dépend mën na dire 10 ans 20 ans mais bu dé dëguna yag dëgg gi day feñ. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie vraiment pour l'invitation. Je vous dis merci. Juste un petit conseil à donner, nit ki boko beugé bon tamal ko luy continuer. Surtout gor bu nek ak jigen, dang koy tamal li nga xamné moy continuer. Jigen bo nekké ak mom, li ngay départ ak mom ci ndjelbeen nga, lool ngay connait. Sinon bu démé ba ci biir day gis changement té lool mëna yaq lu bari ci relation. Voilà, donc je remercie aussi comme ni mako wax sama njabo gi wa Colomb Production. Voilà, fa nga xamné ñom acteur la fa mais en même temps je fais tout ce qui est casting là-bas. Je veux remercier baax les PD, la PDG, Kyul Lalicha, tout le monde. Voilà, je veux remercier et merci beaucoup vraiment. Ouais, mais mon il t'a déclaré en direct. Hein? Il est prêt. Non, mais là on peut échanger. Bon, je vais dire une chose. Yo, comme ni wax, da nga ñu ñu lay mel kat muy tar bo la ci tak ni wurus. Bi ma la né jak la am lu faqé ci man. Ne dal ci yow ne dal ci sama xol mané dal jaaxat wa d'accord comme on dit rek man amay delu sante ci serigne saliw rek ndax tay numa mel tay mom la donc di gërem sama dom mes enfants je les adore di gërem sama lebu bi assou chomban ndey ndjay volcan liberté kat cherno sal je mangi gërem ñep parce que du fait que ñep xamni que dañ ma invité ci Taranga TV bi sama au téléphone bi tout mo tok ku nek bëggoon ci def sa boss ku nek bëgg def sa yene mais ku ci nek xamna sa yene ci man donc damay gëreul len di gëreum yeen wa Taranga TV wo di nek adorable invité technicien et tout le monde
Vraiment, ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je sais que nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux aussi. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, avec certaines circonstances, avec certains plateaux. Di ñaar xalé goor yi aussi di len xamane len na ñeureum jigen ni parce que jigen dañ ko yeureum jigen bala nga koy bëgg dañ ko yeureum donc yeureum len jigen ni bay len na xati bi tamit xamna ne mënu len yam ci ben ndax l'homme est né infidèle mais dé len ñu dimbali su guddé duñu nelaw wa allez merci beaucoup ça a été un plaisir wa gaay duñu def dara lu tagato ak yene et aussi de passage di remercier ki nga xamni que mom ak abiyé ki di dizaine de mo def li ci man tay waaw ko soxla li lu melni da ngay contacter ci 70 529 1705 deuxième mo diar fi gis ngeen gaay faites confiance à deuxième et aussi mi ngi ma donné ma waxal ko ni que day def ay tableau photo ko nga jël sa photo nga soxla mu defal ko tableau nga don art nga accrocher ko sa biir keur sa biir neek. Je vais tout simplement remercier nos sponsors, nos partenaires, La Créole, Les Délices de Nati, Léon Coiffure, MD Infographe, Ndiaye Fleuriste, mon bouquet. Après, j'ai été habillée. Dans les Diawane. J'ai été habillée par Didi Fashion. Après Léon Coiffure, mon fidjar. Après Nati, moi def make-up. Bi. Merci beaucoup. En tout cas, c'était nous et vous, c'était vous et nous avec l'Ateranga TV. Tout est possible. La vitrine autrement. L'Ateranga TV, moi Lindon York, c'est une spéciale. Saint-Valentin, Jeanne Ardaud, merci pour ta disponibilité. L'influenceur Papy, merci pour ta disponibilité. Young Kids, DJ, Young Kids on the mix. Les délices de Natenak, elle a fait le déplacement. Mais il est mort, il est mort, Je remercie aussi Bourba Design, qui est un homme qui est Jean-Pierre. Et aussi, je remercie qui nga xamni que depuis Casamance lama nek di soutenir koku di sama maman fepp fuma dem momay laccé sama nouvelle ndax may ci diam xam nga rek mom moy sama jabar moy sama gel actuellement. Je remercie aussi ñi nga xamni que depuis France ñi ngi suivre partout et voilà quoi fofu lañuy jaajeuf rek di len wax rek ba benen inshallah ñu profiter de l'occasion. Remercier ceux de la baie vitrée, de l'autre côté de la baie vitrée, il s'appelle tout simplement Elzo Roubekat. Elzo Didi DJ Elzo. DJ Elzo. Le cadreur, monteur, animateur, tout le monde. Mon nom, c'est de luxe. Ya, yeah, waouh, bien. Ya, yeah.